Gotham, il n'y aura pas d'autre avertissement. Sans vous, Gotham sera à sa merci. Abandonnez la ville. Tu apporteras la mort à tous ceux qui te soutiennent. Ou je déchaînerai vos plus grandes peurs. Et salut petits amis, on se retrouve maintenant pour la suite des aventures de Batman Arkham avec Batman Arkham Knight, comme vous pouvez juste le voir ici. Alors je m'excuse d'avance pour deux choses. Premièrement, je n'ai jamais joué au jeu, mais j'ai déjà vu à quoi ressemble le début, parce que j'y recommence. Là c'est la troisième fois que je retente un enregistrement. Je ne sais pas pourquoi, quand je joue avec ce jeu, l'autre logiciel que j'utilise pour capturer uniquement ma voix finit par crasher, et du coup, je l'ai plus. Voilà, donc du coup ça marche plus et je dois tout recommencer à chaque fois. Donc du coup, voilà, c'est pour ça, d'où ma deuxième excuse. J'enregistre donc avec ma voix, donc avec le logiciel que j'utilise pour enregistrer le jeu. Donc je m'excuse si la voix n'est pas assez forte, si parfois elle est trop forte. Voilà, bref, c'est j'ai tout essayé, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc du coup, c'est ma seule option pour le moment. Voilà, navré. Donc cliquez ici pour commencer, on y va. Du coup, j'ai effacé celle que j'avais fait. J'avais juste fait le début, les 30 premières minutes en gros. Donc là, sous-titres, oui, on va mettre les sous-titres, merci. Difficulté normale, haut-parleur, j'avais mis casque, voilà, c'est ça. Audio en version originale, je ne sais toujours pas à quoi ça correspond, je veux pas savoir. On y va. Continuer, contenu téléchargeable, j'ai tous les contenus du jeu actuellement. Je crois que j'ai tout payé à 20 balles, il y a très très longtemps. Donc voilà, plein de trucs, il y a... Beaucoup de trucs. Les épisodes d'Arkham, je sais pas quoi ça correspond. Je vous les ferai sans doute un de ces jours, quand on aura fini le jeu. D'ailleurs, le jeu dispose de beaucoup de contenu, mais je me suis surtout concentré sur, sur le contenu principal du jeu. C'est parti. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Là, la première fois, je m'attendais à un screamer ou autre chose parce qu'on reste sur un plan fixe. Et en fait, il faut appuyer sur un bouton, ou alors cliquer sur votre souris, il faut activer le lance-flamme. C'est rigolo parce que voilà, on peut tout annuler, alors qu'il a commencé à cramer. Voilà, on peut le cramer petit à petit, faites ce que vous voulez. C'est juste immonde. On reste appuyé. Hop. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est... comme ça que Batman est mort. Oh my god! Je ne sais toujours pas ce que c'est que cette histoire. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait que le début. Je suis toujours sous le choc quand j'entends ça. Il y a 9 mois, le Joker a été incinéré. J'ai moi-même appuyé sur le bouton et brûlé ce salopard. Ensuite, on a attendu. Gotham se préparait à subir une inévitable lutte pour le pouvoir. Mais elle n'est pas venue. La criminalité a même baissé. Au fond, je savais que la guerre approchait. Quelqu'un finirait bien par mettre le feu aux poudres.
Alors j'ai les graphismes au max. C'est peut-être pour ça, je demande peut-être trop à mon PC. Et du coup il me fait cracher mon logiciel d'audio, je sais pas. J'en sais rien. Salut ma poule. Merci. Avec plaisir. Ah, merci mon chou. Bien, à quoi? Comme d'hab? Ouais. Donc une salade au poulet sans vinaigrette. Non, vous savez quoi? Mettez-moi des gaufres avec supplément bacon. Dites rien à ma femme. Comme vous voudrez, monsieur l'agent. Oh, et faites-moi signe si vous voulez du café. Henri Adams, je sais pas qui c'est. Avec supplément de bacon. Je croyais que Batman était un dur. Excusez-moi d'interrompre votre repas, agent Owens, mais il y a un homme qui fume là-bas à la table du coin. Deux secondes, je vais le voir. Vous voyez là, tout droit. Alors c'est là que c'est intéressant, la première fois je me suis amusé à rester à écouter. Là on est en pleine période d'Halloween comme vous pouvez le voir. Qui a besoin de 3 yachts? Soit visiblement. Voilà, on peut entendre plein de dialogues. Pendant que lui nous dit allez faire votre boulot, fous-nous la paix quoi. Il y a tellement de trucs à écouter. On a envie de rester à côté et d'écouter tout ce qu'ils disent. C'est perturbant. Enfin, on s'approche donc. D'accord, mais c'est dès qu'on approche qu'il tousse, lui. Donc à mon avis, lui, il doit être complice, j'en sais rien, mais il y a quelque chose. Alors, là comme vous pouvez le voir, le monsieur avec le magnifique A dessiné, il a une jolie, un joli pull rouge et tout. Il est en train de faire diffuser quelque chose dans la pièce depuis le début. Ah ben non, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il tousse. Ok, je comprends mieux. Alors du coup, on parle au client qui fume. Excusez-moi, monsieur. C'est non fumeur ici. C'est vrai que c'est rigolo, le clic gauche contrôle le tir. Et on peut tirer dans le tas. Mais je ne le fais pas. Voilà, je ne vais pas tirer sur les gens. Alors qu'on va pas se mentir, la première fois j'ai buté tout le monde. J'ai tout claqué sur les gens. Les seules personnes que l'on voit encore dans les rues sont celles qui aiment le chaos. La crème de Gotham. Les crapules. Les criminels. Et pire encore. Il n'y a plus assez d'honnêtes gens pour les arrêter. Thank you.
Il n'a fallu que 24 heures pour qu'on perde tout contrôle de la ville. Ce soir, le sort de Gotham est entre les mains d'un seul homme. C'était pas une cinématique, c'est le jeu, la map est immense. C'est ce qui m'a choqué la première fois, j'étais, ah mais merde, c'est pas vrai quoi. Regardez la taille de la map. Regardez ça. C'est vivant, c'est grand, c'est réactif. Putain, c'est rapide et c'est ça que j'aime bien. C'est ce que j'adore dans ce Batman. C'est juste un pur plaisir. Même ça, bon ça restera toujours plus rapide que de foncer comme ça pour rien, mais ça reste un plaisir, franchement. T'as dit qu'il te restait plus de clopes. Ça me rassure que tu sois hors de danger. Désolé, faut que j'y aille. Reste au calme, Barbara. Vous savez toujours soigner vos entrées. Comment se passe l'évacuation? Le dernier bus est sorti de la ville il y a une heure environ. Je suis soulagé que ma fille ait pu partir. C'est maintenant que le travail commence. Du neuf sur l'épouvantail? On a traqué un véhicule militaire non identifié qui fonçait à travers Chinatown. C'est la seule piste qu'on a eue de la nuit, mais il nous a filé entre les doigts. Avec cette histoire d'évacuation, je n'ai plus assez d'hommes sur le terrain. Si vous le retrouvez, dites à vos hommes d'attendre. Je m'en chargerai. Vous pensez vraiment que l'épouvantail est assez fou pour faire exploser une arme chimique en plein Gotham? Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Si vous avez besoin de me joindre, la nuit va être longue. À toutes les unités, on a un 10-33, secteur 2. Voiture de patrouille disparue, unité 247. Possible officier à terre. Hé, hey, Batman! C'est toujours la même chose. Pourquoi ça changerait? J'ai envie de dire. C'est Batman, hein. Oracle, je voudrais l'emplacement de l'unité 247. Je suis dessus. Comment va mon père? Il tient le coup. Quoi qu'il arrive, il tient toujours le coup. Ok, voilà l'emplacement du véhicule de l'escouade. Soyez prudents, ça risque d'être délicat. Et du coup, c'est parti. Alors, c'est par là. Et c'est pour ça en fait que la ville est aussi plaisante, c'est que y a une raison, elle a été vidée en fait par rapport à l'équilibre. Putain, j'espère sincèrement que le micro est assez fort. Parce qu'en plus moi je fais pas un épisode de 30 minutes, là j'enregistre parce que j'en ai marre et je reprendrai une autre fois. Mais là ça se trouve ça va être quoi? Ça va être 6, 7, 8 épisodes, j'en sais rien. Non, pitié! Cette ville c'est plus la vôtre maintenant. Là vous l'avez vu, il y a plein de gars qui ont foutu le camp en fait. Donc voilà, il y a des fois les ennemis ils fuient. Quoi, je suis pas assez près? Ah, j'étais trop près. Vous ne risquez plus rien. Merci Batman, j'ai bien cru qu'il fallait. La ville est envahie, on n'a aucune chance. Restez ici, j'envoie quelqu'un vous chercher. Qu'est-ce que vous faites? J'équilibre le jeu. Là j'adore. Appuyez sur E pour équilibrer le jeu. Comme ça. Ma réaction la première fois. On l'a aussitôt que ça. Eh ben oui. C'est un plaisir. Regardez-moi ça. Oracle, j'ai besoin de traquer ce véhicule militaire. Une voiture de police l'a pris en chasse. Je vous transmets ses coordonnées. Ah,
appeler vos hommes, Jim. Golf Oscar 5-6, ici le commissaire Gordon. J'annule la poursuite. C'est trop dangereux. Chef, on y est presque. On peut l'avoir déployé. Wow, ils viennent de nous balancer une roquette. Mais qui c'est, ces types? 5-6, remplis vous tout de suite. C'est un ordre. Laissez la preuve s'en occuper. La bande vive a essuyé un tir de roquette. Ils ont été éliminés. Merde. Je vous en prie, Batman, vous devez les arrêter. Ne vous inquiétez pas, Jim. Il est à moi. Oula. Et ah voilà pour le véhicule. Il faut que j'interroge le conducteur pour déterminer ce qu'il sait. Normalement c'était 4 roquettes la dernière fois, mais là visiblement le fait de l'avoir entrechoqué contre le truc, ça l'a... Où est l'épouvantail? Va te faire foutre! Où il est? Je n'ai rien à te raconter, Batman. Parle! Ou je réduis tous tes os en miettes. Ok, ok. Il bosse dans un appartement à Chinatown. Je te jure, c'est tout ce que je sais. Si tu mens, je te casse l'autre. L'autre quoi? Ah ah. Oh putain. Oh le bruit. Donc voilà, les appareils de Batman toujours aussi sophistiqués, toujours aussi puissants. On aime ça chez Batman. Oracle, vous pouvez vérifier la dernière analyse chimique? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que je pense? La nouvelle toxine. Un échantillon non contaminé. C'est bien ça. Je vais lancer une analyse chimique complète sur le bat ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire? L'épouvantail a un repère pas loin. Je vais lui rendre visite. Espérons que c'est l'indice clé qu'il nous manquait. Donc voici, ceci était Barbara Gordon, alias Batgirl, anciennement Batgirl. Elle ne peut plus l'être malheureusement puisqu'elle est en fauteuil roulant. C'est ici. Je devrais aller jeter un œil à la main. On va la garder combien de temps? Jusqu'à ce qu'on nous donne l'ordre de l'asphyxier. Essayez un peu, je crève d'ennui. Oh, t'en fais pas, t'auras ce que tu mérites quand on sera fin prêt. Pourquoi on devrait attendre? On peut lui filer une dose, là. Fais-toi plaisir, je dirais à l'épouvantail que c'était ton idée. Je plaisantais. Ça en avait pas l'air. Batman est là! À côté! Ça n'est sûrement pas du mal. Vous devriez revoir votre sécurité. J'ai vu des arbres qui avaient de meilleurs réflexes. Sans faute. Oh putain. Ah, salut toi. Voilà qui rend les choses un peu plus intéressantes. Poison Ivy. Monte. Batman, il est là. Tu t'attendais à me trouver, Batman. J'ai bien peur de te décevoir. Regarde bien la cellule. Je veux que tu fasses connaissance avec la peur qui t'attend. Ok, la bête de foi. On va sortir d'ici tranquillement. Si tu tentes quoi que ce soit, je m'explose la cervelle. Charmant. Mais un seul d'entre nous sortira de cette cellule. Non! 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 Rien ne vaut une petite intimité naturelle. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi l'épouvantail t'a enfermé? Même pas bonjour. Dis-moi. Et si je ne te réponds pas? Alors je brûlerai toutes les plantes de Gotham. J'étais à la réunion. Quelle réunion? Il y avait tout le monde. Le pingouin, double face, l'homme mystère. Même la pauvre Harley. L'épouvantail a dit qu'il avait un plan.
que tous ensemble, on pouvait t'écarter et que Gotham serait à nous. Il faudrait me tuer pour ça. En effet, c'était l'idée. Je lui ai dit que ces pathétiques histoires d'humains ne m'intéressaient pas. Mais avant que je puisse réagir, je me suis retrouvée enfermée. C'est dommage que sa toxine infecte n'ait aucun effet sur moi. La nature gagne toujours. Il n'apprendra donc jamais. Avec moi. J'adore, c'est trop génial, quoi. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'il y a ? Go, go, go ! On tient la cible, elle est coincée. Ne bouge pas ! Sylvie, vous êtes sûr ? Batman, confirmé. Monsieur, le tank qui leur sert de renfort est sans pilote. Bien. Je croyais que ce serait mieux qu'il a... Ah, c'est là qu'on se rend compte que le truc est badass. Ça. Mode combat, regardez-moi Batman, ça. Je détecte 6 autres tanks télécommandés dans Chinatown. Ils seront là d'un instant à l'autre. J'adore. Le seul problème, c'est qu'il faut maintenir le clic droit. Il y a la touche, le clic gauche pour tirer comme ça, et la touche centrale pour tirer le missile. Autant vous dire qu'avoir les 3 touches enfoncées, tu diras, ça sert pas à grand chose. J'avais oublié ça. Faut qu'on parte. Le maître incontesté de l'euphémisme, comme toujours. Voilà. On met littéralement Poison Ivy dans notre coffre. C'est magnifique. Oh, j'ai besoin de savoir d'où viennent ces tanks. J'ai repéré plusieurs hélicoptères de transport qui arrivent en ville. Et c'est pas fini. Activez le diagnostic d'armement de la Batmobile. La guerre est déclarée.